Longtemps attendu, c'est finalement à 3h30 du lundi 26 août qu'a intervenu la publication du gouvernement Ilukamba. Soit un jour après la publication de la liste des nouveaux ministres qui travailleront dans les gouvernements de Félix et Tshisekedi, la population kinoise réagit. Nous avons des attentes, mais vous savez que la République fonctionne avec aussi le gouvernement central. Quand le gouvernement central n'est pas là, vous voyez que tout est bloqué. Mais d'abord, le fait que le gouvernement existe, c'est déjà le début, un nouveau départ. Bon, déjà, comme ils sont là, nous souhaitons qu'ils puissent bien travailler pour répondre à nos attentes. Donc, nous, particulièrement, nous sommes dans la fonction publique. Mais nous sommes encore parmi les nouvelles unités. Nous avons travaillé pendant 2, 3, 5 ans, on est là. Mais on attend qu'on puisse donner des matricules. On n'en a pas jusque-là. Mais on attend aussi quelque chose de ce gouvernement-là pour qu'il puisse aussi... D'accord, du fait que les gouvernements soient finalement connus, la population n'a pas manqué de s'inquiéter des anciennes figures qui ont cependant échoué avec l'ancien régime de Joseph Kabila. La population, c'est ce qu'on espérait, ça fait longtemps. Nous avons deux aspects. Après l'élection, même avant l'élection, la plupart des gens ne savaient pas qu'on pouvait se retrouver dans cet état. C'est-à-dire que tout le monde espérait la guerre. Il y a eu un pays à la République qui est sorti, tout le monde a applaudi. Il y a eu 7 mois qui se sont collés et aujourd'hui, nous sommes devant un gouvernement. Pour nous, on ne peut jamais mal dire pour le moment parce qu'il faut attendre le gouvernement après sa réaction. Donc après son travail, on peut leur donner 1 mois ou 5 mois ou 6 mois. Jusque là, nous applaudissons. Parce que prendre l'ancienne équipe et la nouvelle équipe, c'était des opposants. Donc les histoires étaient opposées. Donc le gouvernement qui vient de s'écouler, bien des gens qui viennent de faire 18 ans, n'ont pas bien travaillé. Jusque-là, nous avons eu un président qui est là, que nous avons voté. Malheureusement, on avait oublié qu'il fallait lui donner les députés. À cause de cela, ils sont sortis avec la plupart, avec beaucoup de députés, ce qui a fait que le gouvernement est bicéphaliste. Je ne sais pas comment dire ça, bicéphaliste. Il y a des bicéphalistes ou quoi. C'est-à-dire qu'eux qui ont beaucoup de députés, sont majoritaires, même les postes vont suivre, selon notre constitution. Ce qui fait qu'ils sont nombreux et que les gens qui sont minoritaires sont moins nombreux. Mais néanmoins, le président l'a signé. Toutefois, celle-ci souhaite bonne chance au président et à son gouvernement, espérant vivre les changements prônés par Félix Tshisekedi depuis son accession au pouvoir. Évidemment, je crois que c'est une très bonne chose parce que... Il y a eu une passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau président. C'est quelque chose de formidable que personne ne s'y attendait. Mais aujourd'hui, avec le nouveau régime, nous souhaitons à ce que ce président actuel puisse gérer le pays de manière correcte. Et surtout, cette période a été tellement très longue relativement à la publication des résultats. En fait, du gouvernement, aujourd'hui, nous sommes très satisfaits du fait que nous avons quand même réveillé ces gouvernements-là. Donc je crois que c'est un gouvernement qui va résoudre, en tout cas, je suis certain, les problèmes tant sociaux, politiques. De reprendre les mêmes gens qui ont travaillé, que nous disons qu'ils ont failli pendant 18 ans, de reprendre aussi... Bien qu'il y ait de nouveaux figures, mais vraiment, bon, donner toujours la chance. Juger dans leur façon de travailler. En rapport avec la représentation de femmes dans ces gouvernements, Maggie Moulingua refuse de faire des commentaires. Toutefois, elle a appelé les femmes ministres à défendre l'intérêt de la femme. Je souhaite avoir bonne chance, parce que je suis conscient que la population est allée là-bas. Ils ont pas décevoir en début sauté. Ce qui va décevoir, c'est que nous avons une chance. En tant que femme, nous avons souhaité une bonne chance. Nous avons décevoir, parce que nous avons souhaité nous soutenir. Nous avons souhaité nous soutenir. Nous avons souhaité les femmes. Nous avons rappelé nous. C'est ça notre souci. Merci.